Life is insane, always the same. Waiting to find love, love. Alors Petzele, d'abord une première question, est-ce que tu peux nous dire d'où vient ce nom mystérieux? Alors Petzele, déjà c'est très difficile de trouver un nom quand t'es musicien et que tu joues seul. Mm-hmm. Mon propre prénom et nom de famille, ça donnerait pas grand chose de super au niveau folk. Alors du coup j'ai cherché pendant longtemps un nom. Et comme beaucoup d'autres, je me suis fié à des musiciens que j'aime bien, à des titres de chansons, pour voir éventuellement si je pouvais pas adapter un titre et l'utiliser comme nom. Et c'est le cas pour Petzele, parce que c'est une chanson d'Eliott Smith qui s'appelle Petzele avec un I. Comme le Petzele avec un I était déjà pris, j'ai pris le Petzele avec un E, puisque à l'origine c'est un terme yiddish qui s'écrit avec le E. Est-ce que tu peux nous dire un peu, comme tu as joué des nouveaux morceaux là récemment, un concert que tu avais donné en mars, est-ce que tu as eu une bonne réaction du public? Est-ce que tu étais content? Ouais. Ouais, alors au niveau de la réaction du public, c'est toujours sympa parce que c'est pas souvent que les musiciens viennent pour voir une première partie. En général, ils viennent voir les groupes suivants. Cela dit, l'accueil est toujours chaleureux, même quand des fois je me trompe un peu. C'est encourageant. Je pense que les gens sont très sensibles au fait que je joue seul, que quelque part je me mette à nu devant eux avec juste ma guitare. Quel que soit le style de musique, ils sont sensibles à ça. Et puis après, les nouveaux morceaux, effectivement, depuis 3 mois, je teste beaucoup de nouveaux morceaux. J'aimerais bien en enregistrer à l'automne. J'en ai des pas mal, d'autres qu'il faut encore travailler. Et ces concerts me permettent d'équilibrer entre des valeurs sûres, on va dire maintenant, et des nouveautés qui me permettent d'être un peu plus encore dans le côté intimiste. Les nouveaux morceaux sont plutôt dans cette optique-là, je trouve. Tu as fait le tremplin des Cibules, est-ce que tu peux nous parler de cette expérience? Oui, alors j'ai eu la chance d'être sélectionné pour ce tremplin. Malheureusement, je ne l'ai pas remporté. Mais je fais partie des 8 groupes qui ont été sélectionnés cette année. C'est déjà très positif parce qu'il y avait une 60aine de groupes qui se sont présentés. Il fallait envoyer quelques morceaux ou se présenter sur Internet. L'année dernière, j'avais déjà essayé, je n'avais pas été pris. Et c'est d'autant plus positif que pour un festival comme ça, de grande envergure, donner sa chance à un musicien seul avec sa guitare, c'est pas souvent. Donc je trouve que les programmateurs ont, même s'ils ne m'ont pas pris, pour le tremplin, ils ont bien fait de me prendre, ils ont montré qu'ils osaient, quoi. Et c'était une très belle expérience, une très belle soirée avec des bons groupes qui méritaient de gagner par la suite. Donc Joy and Glory, Adam and the Madams et Eurodivey, très très bon groupe. On aimerait bien aussi t'entendre jouer un petit peu en live. Ok, bah, vu comme c'est amené, je pense que je ne peux pas refuser. Je vais vous interpréter un morceau de mon premier album qui s'appelle Marisha. Purple, pink, azure, yellow and red stripes. Here she comes again from nowhere. In your dress, Marisha, you caught my heart forever and ever. Sometimes I wonder. Child, as woman, where are you coming from? From my dreams at least. Sweet flavor, you melt under my tongue. Marisha, dissolve me again. While your smiles will not frown at me in vain. One last time, please stroke my body so softly. My soul met next time, better be late. But I'm glad of my fate. I'm a part of you, it's known too soon. Marisha, did you cut my heart forever and ever? Sometimes I wonder why. Sometimes I wonder why.
Sometimes I wonder why. Oh, unconsciously deliberate mistakes. Unconsciously deliberate mistakes. Unconsciously deliberate mistakes. Makes me feel sad and bad until the end. Question, tu voudrais qu'on te pose. Oh là là, celle-là on ne l'a jamais faite. Quelle question je voudrais qu'on me pose? Eh bien, là si tu me poses une colle, j'ai jamais réfléchi à ça. Bah, la question, quelle première partie tu aimerais faire? C'était la suivante. C'est la suivante, celle-là, ouais, parce que il y a plein de groupes que. Avec qui j'aimerais jouer. Bon bah alors on enchaîne sur celle-là. Tu rêverais de faire la première partie? Alors bon, mon groupe fétiche c'est Radiohead, ça ne se fera jamais. Mais ça c'est un vrai rêve. Ou Thom Yorke seul. Et, mais par contre en plus réalisable, bah, des groupes comme Sid Matters, Badly Drawn Boy ou Fleet Foxes, des choses où j'aurais peu de chance d'être amené à jouer. Mais moi j'ai joué avant Tongue et avant Junip, José González, donc tout est possible. Tout est possible. Allez go. Le choix de Petzela. Tu peux nous dire pourquoi tu as choisi Matt Elliott? Oui, Matt Elliott, Failing Songs, un album de 2006. Je l'ai choisi parce que c'est un album que j'écoute toujours avec beaucoup de plaisir, même 8 ans après. Il est magnifique, je crois qu'au niveau de la mélancolie et de la beauté, c'est dans la mouvance dans laquelle je suis, c'est un chef-d'œuvre. Et Matt Elliott, le personnage est extraordinaire. C'est un grand artiste. Il a une voix magnifique. Il est énorme. Il fait presque 2 mètres. Il en impose. Et sur scène, il n'y a que lui, quoi. Et si vous avez l'occasion d'aller le voir, vu qu'il passe souvent en Alsace, faites-le parce que c'est magnifique ce qu'il fait. Merci, Petzela. Merci à vous. Trouvez le CD de Petzela, médiathèque André Malraux, premier étage, scène locale. It's the same. Always insane, falling for her, make her suffer, and start again. Ooh, ooh. On peut voir pour le test?